Donc ce sont les latinistes de quatrième qui vont réciter des chants, des récits de l'Iliade. L'Iliade, c'est l'histoire de la guerre de Troie. On en reparlera. J'ai envie de voir, on en reparlera. Okay. Là, ce qu'il faut, c'est juste regarder, écouter. Okay. Le premier chant, chant 1 de l'Iliade, la colère d'Achille. Meninaige, Théa, Peleadeo, Achilleos, Ulomenen et Muriakaios, Algeteke. Polas, Dictimus, Sukasaidi, Proyapsen, Peron. Chante la colère, déesse du fils de Pélée, Achille, colère funeste qui causa mille douleurs aux Achéens, précipita chez Hadès, mainte âme forte de héros. Autus de Eroia, teque cunissime, eunegisi te passi, dios de teleieto, boulé. Ex ude ta prota, dias te ten erisante. Etriedes te anax en drone, cai dios Achilleus. Fille de leur corps, la proie des chiens et des oiseaux innombrables, la volonté de Zeus s'accomplissait. Commence à la querelle qui divisa l'Atride, roi des guerriers et le divin Achille. Chant 22, la mort de Patrocle. Hector, fils de Priam, de Priam avec sa pique, enleva la vie et triomphant adressa ses mots ailés. Patrocle, tu prétendais saccager notre vie. Aux femmes troyennes, enlever le jour de la liberté et les emmener sur tes vaisseaux d'infanterie. Insensé. Devant elles, les chevaux rapides d'Hector ont allongé leur galop pour combattre. Et avec ma pique, moi-même, entre les Troyens belliqueux, je me distingue en les préservant du jour de la nécessité. Mais toi, ici, les vautours te dévoreront. Malheureux. Malgré sa valeur, il ne t'a pas aidé. Achille, qui sans doute, en restant à l'écart, mille fois te recommanda à toi qui marchais. Ne viens pas vers moi, Patrocle, que traînent les chevaux près des vaisseaux creux, avant que d'Hector meurtrier, tu n'aies ensanglanté la tunique, déchirée à la patrie. Ainsi, sans doute, il a parlé, et persuadé ton sens. Insensé. Dans ta faiblesse, tu lui répondis, écris Patrocle. Maintenant, Hector triomphe bien. Ils t'ont donné la victoire. Dieu, puisqu'ils te connaissaient rapidement, ils m'ont dompté facilement, car eux-mêmes de mes épaules ont enlevé mes armes. Des hommes comme toi, quand ta voix, ils m'auraient apporté, tous sur le champ auraient péri. Dompté par ma lance. Et moi, c'est le sort funeste et le fils de Latone qui m'ont tué, et parmi les hommes plus forts. Toi, tu ne vins que le troisième et tu me dépouilles. Encore un mot pour toi, aimé-le dans ton âme. Tu n'as plus longtemps toi-même à vivre. Près de toi, déjà, se reste la mort et le sort puissant. Et tu es dompté par la main d'Achille, irréprochable et assis. Il dit, et ce fut la fin. La mort l'enveloppa. Son âme, s'envolant de ses membres, alla chez Hadès, déplorant son sort, laissant la virilité et la jeunesse. Quoi qu'il fût mort, l'illustre Hector lui répondit. Patrocleis timoi manteuei aetun oletran tis dodei cacileus petidos pais eu comolio te e emo ui poduri tu peis apo tu man olesai. Ayant dit, il arracha sa lance de bronze de la blessure, le pied sur le cadavre, qu'elle la renverse et repoussa loin de sa lance. Et aussitôt, avec sa lance, il marcha vers Otorindo, le serviteur rival des dieux de l'Éacide, au pied rapide, car il désirait le frapper. Mais lui était emporté par les chevaux rapides, immortels qu'appelaient les dieux à lui donner présent magnifique. Chant 22, la mort d'Hector. Achilleus isos enealio corutaiki tolomiste seion, iliada vigien catadeixonomon deimen.
Amphide Calcos à l'Hermempeto. Et Keilos à Oge et Pulos à Tominu et Eliu à Niontos. Hectorados et Noesen et les Tropos d'Ar et Tetle à Otimeinei, au Piso de Pulacite. Bede, Phobeteis, Pileides, Dorusepoli, Pratainoisi, Pepoitos. Hector, la percevant, se prit à trembler. Il n'osa plus l'attendre là, laissa la porte derrière lui et partit épouvanté. Le fils de Pélée s'élança sur lui, confiant en ses pieds rapides. Oi doté des Kedon et San, appelez l'Oloïsine. Oi antes, ton proteros proseipen megas, corutaioilos, Hector. Je ne te verrai plus, fils de Pélée. Comme avant, j'ai couru trois fois autour de la grande ville de Priam, sans oser attendre ta venue. Maintenant, mon cœur me pousse à me dresser devant toi. Je te maîtriserai peut-être, ou serai maîtrisé. Allons, attestons ici les dieux, ce seront les meilleurs témoins, les meilleurs gardiens de mes accords. Je ne te mutilerai pas affreusement. Cygdos me donne de rester vainqueur et de sauter l'être. Après t'avoir dépouillé de des armes célèbres, Achille, ton cadavre, je le rendrai aux Achaïens. Et toi, fais de lui. Bravo, je vais redonner.